Vous êtes sur RTL. C'est que Stevie est très impressionné d'être assis à côté de Franck Ferrand. Ah mais oui, mais c'est son idole. Ah j'adore, mais c'est surtout le narrateur de mes balades nocturnes. Comment est-ce que je dois prendre cette déclaration? Parce que j'écoute beaucoup les podcasts. Et donc, parfois, le soir, pour m'endormir, j'écoute vos podcasts. Il te gratte les couilles en l'entendant. Ou quand je vais me promener, quand je fais ma marche le matin, quand je fais mes 20 km, vous êtes souvent dans mes oreilles. Et puis, j'écoute quand je suis au Louvre, j'écoute l'émission du Louvre, quand je suis ailleurs, enfin, selon les émissions que vous proposez. Finalement, on est pas mal dans vos oreilles. Merci. On va les laisser tous les deux. Oui. Elles sont propres, moi. Oui. Regardez, il est tout. Ah, vous avez vu comme il fait son... Oh, arrêtez, exagérez pas non plus. J'ai beaucoup d'affection. Enfin, d'affection, c'est peut-être pas le bon terme. Beaucoup admiration. De respect. Admiration aussi, je prends. Voilà, bon. Merci Christina. Tu prends. On se fait pas chier. Hein. Non, mais et puis après. Bah, quand t'es impressionné par quelqu'un, c'est dur de trouver les mots. T'es pas impressionné par l'autre Mickey, là, quand même. Bah, si. Attends, c'est un intellectuel de radio, ça vaut hommes. C'est un bavard télégénique, gentil, potable et tout. Ça peut éventuellement conduire ta bagnole si ton chauffeur est malade, mais ça s'arrête pas. T'es impressionné parfois. Est-ce que vous pouvez t'en baver sur Louis XIV? Vous pouvez rallumer les projecteurs dans le regard. C'est le temps que tu passes sur Franck qui fait Franck si important. Ah, c'est bien dit ça. Il est sympa. Enfin, quand même, tu passes du temps sur Franck. Quand t'as un peu d'expérience, tu le vois arriver, tu dis il a l'air gentil, c'est tout. Ah bah oui. T'es pas vraiment gêné, quoi. Tu vois, t'es pas impressionné. Bon, il a pas le regard tout à fait idiot, mais presque. Et puis c'est un mec, attends, incapable de te donner l'avenir. Il parle que du passé. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, et oui, ce moment où les grosses têtes doivent identifier le nom du chanteur ou de la chanteuse qui a créé ce refrain et ces quelques couplets qui vont être fredonnés par Monsieur de Kersauzon. Laissez-moi animer mon émission tranquille. Vous êtes déjà pris à ce charmant Franck Ferrand, cultivé, une dénommée. Habillé pour les quatre prochains hivers. Attends, j'ai fait un petit break pour qu'on respire, c'est tout. Une de nos meilleures recrues de ces dernières années. Exactement, continue comme ça, c'est France. Hein. Ça va faire France Info Culture, on va pas se faire chier du tout. Non, pas du tout. Alors, vas-y, attends. Les mecs, ils vont t'écouter ça, il y a que les mecs grabataires qui pourront pas tourner le truc. Attends, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Vous préférez il est au taquet aujourd'hui. Vous préférez Stéphane Plaza à Franck Ferrand? Ah ouais, j'ai le plus marrant, attends. C'est rigolo, quoi. Attends, au moins Plaza, il sait ce que c'est qu'un mètre carré, attends. Ah non, j'aime bien, j'ai rien contre Ferrand. Ni contre Jeanne d'Arc, ni contre... le bâtard. Tous ces gens de ta génération. Vous voulez parler de Dark Jeanne? Non. Il a navigué sur la Jeanne d'Arc. Avoue que tu te marres quand même plus avec Plaza, qui a une vraie tête de délinquant total. Bah justement, on a un homme honnête, omniscient, cultivé, qui parle bien, juste. Écoute, va prendre le thé avec lui, mais nous l'amène pas en plateau. Qu'est-ce qui vous arrive, Olivier? La semaine dernière, il dormait. Hein, ça dépend, il y a des jours où je suis réveillé. Là, je t'ai réveillé à 2h ce matin, donc j'ai eu le temps de me réendormir 1h. Donc je suis frais comme un gardon. Et ça tombe sur vous, monsieur Ferrand. Ouais. Je préférais quand il nous parlait du canal de Suez, c'était plus beau. Hein. Ah oui, hier, il nous a fait un magnifique... magnifique. On dirait les parents qui parlent de leur gosse. Hier, il a fait popo à 4h. Il nous a fait hier un truc... C'est quand même une équipe de malades mentaux. Quand je pense que Gignot et moi, on amène notre raffinement, c'est effrayant. Une question. Le popo. Mais qu'est-ce qui lui prend en plus? Il me cire les pompes. Une question pour Laurent. C'est le seul à peu près viable ici avec Stevie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Marie-Dorian, j'ai décidé d'être gentil, bordel de merde. Qu'est-ce que ça doit être? avec Stevie et moi, évidemment, comme n'oubliez pas que je suis un peu. Non, mais je suis pas gentil avec vous, je vous admire. Ah. C'est pas pareil? Évidemment. Vous êtes l'homme que j'aurais voulu être si j'avais dû rater ma vie, moi. Quel joli compliment!